Mardi 9 octobre 2018, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mitan Journée. N'a pas démarré tout de suite avec information. Yo, Premier ministre Jean-Henri Séan rencontré partenaire technique à ca financier yo lundi 8 octobre là. Discussion au téchita sous ensemble mesi ka pran pour accompagner victimes tremblement de terre 6 octobre. Côté 15 moun mouri, 333 l'autre blessé à 168 ka écrasé d'après bilan yo. Dans l'idée pour porter soutien bay moun ki victime yo, chef gouvernement fait qu'on est les mêmes avec président République là Jovenel Moïse de visiter plusieurs zones qui touché. Nous invitons à suivre un extrait. Depuis ça passé samedi, nous t'étions dépêchés des groupes sur les lieux le même samedi soir et le lendemain président de la République là avec moi et une bonne partie du gouvernement nous t'étions rendus sur les lieux et là nous t'allons visiter mon nous t'allons visiter parents et mon qui mourir nous t'allons regarder nous t'allons visiter l'hôpital nous t'allons regarder comment travaille la marché vu que il y a des gens qui te prend devant, l'armée était là, la police et toute structure de l'État, les unités importantes de l'État étaient présentes et c'est ainsi que nous arrivés pour porter secours qu'il fallait à tout le monde qui était victime de la violence. Donc nous avons dit rapidement, nous avons 15 personnes mortes, 15 décès, nous avons 333 blessés en tout, nous avons 168 maisons, 168 cailles qui écrasées, nous avons 2280 cailles endommagées et 2440 familles victimes. Donc là, nous pensons, après que l'État, le gouvernement, fin prend décision pour lui-même premier secours, c'est nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et des autres ministères qui ont fait ce travail qui était pour faire au cours de la nuit, du samedi au dimanche, pour nous porter support à peuple haïtien. Donc maintenant, nous gagnons le président qui a passé des instructions pour que nous soyons capables de travailler sur la question. Tant du point de vue conjoncturel que du point de vue structurel. Et c'est dans le cadre de ça, nous avons dit qu'il faut nous rencontrer d'ailleurs pour nous parler avec eux. D'ailleurs, présenter au bilan et montrer ça nous-mêmes nous fait en tant que haïtien, en tant que gouvernement haïtien, comment nous avons réagi, comment arriver nous-mêmes pour des solutions. Mais maintenant, planifier la question structurelle et introduire nous-mêmes dans le champ d'activité que nous avons fait. Donc c'est pour ça matin, il était important que nous avons rencontré les bailleurs. Nous rencontrons les bailleurs à un premier niveau et maintenant nous allons rencontrer les ONG parce qu'il est important pour nous rappeler tout le monde que le gouvernement ça a gagné l'autre genre de bailleurs. Nous gagnons des structures qui campent et très souvent nous chita et puis nous quittons une catastrophe privée, nous quittons une quantité de monde déployé et sans orientation du gouvernement, chaque monde a fait affaire par eux et nous va voter très souvent résultat pour nous voter. Cette fois-ci, nous décidons que le gouvernement, la quimbe leadership de ça qui vous faites, que le gouvernement avec structure que vous gagnez au niveau du Conseil national de gestion des risques et des désastres, au niveau de la protection civile, au niveau des coun, au niveau des coudes et des cook, nous décider n'a pas le leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. Ça que nous fait avec l'expérience que nous prenons, surtout en 2010, côté que nous avons pas qu'être ONG qui déployait sur terrain et personne ne sait qu'est-ce qu'on a fait. Nous ne voulons pas continuer dans ce système ça. Et c'est pour ça que le gouvernement ça a décidé avec instruction président que nous prenons le travail, mais nous prenons le travail avec accompagnement et bailleurs et ONG, mais ça va le faire nos disciplines qui pourraient démontrer clairement que nous décidons nous-mêmes de travailler avec eux, mais que le leadership l'a prêté dans le gouvernement haïtien. Qui s'en a fait aujourd'hui? Nous avons un déploiement fait dans différents départements pour nous vérifier. Après que nous finissons de faire relever avec, à travers la protection civile de dégâts, mais nous croyons qu'il y a une série de paramètres pour nous tenir compte de eux. Parce que nous avons décidé pour nous faire gestion de la population, tant du point de vue physique que nous sommes capables de faire depuis des 48 heures, mais du point de vue psychologique de la population. Jodi a gagné en sorte de psychose, de peur, des mondes, des jeunes surtout, des élèves, des étudiants qui peuvent rentrer dans la faculté, qui peuvent rentrer dans l'école. Alors nous avons décidé, non seulement avec le travail que nous allons faire au niveau de la presse, mais ensuite, avec les gens détachés qui sont dans l'EPPLS, dans le laboratoire national, pour aller vérifier l'état de l'école, surtout côté qui frappait très dur, pour aller vérifier l'état de l'école, et côté pour nous mettre des abris provisoires pour nous continuer le travail, nous pourrons le faire. Cela va se poursuivre aussi dans tout le département, même si le département n'a pas touché aussi fort, mais nous voulons bah, tout le monde sérénité et que la vie continue, j'en lie à pour personne ne pas peur, personne ne pas paniquer.
Secrétaire d'État, communication Eddie Jackson Alexis mettait accent sur notre ministère Kilti à communication fait sortie dimanche 7 octobre là sous façon institution humanitaire qui intéressée pour aide by victimes dans zone qui touchait yo après tremblement de terre 6 octobre 2018 là. Selon secrétaire d'État communication notre ça a précisé institution qui voulait porter quelle que soit aide là doit aller dans bureau protection civile dans pays là pour yo ka gen yon autorisation formelle. Nous invitons suivre un extrait dans micro Rachel Sefort ak l'aurore dans les Jean-Jacques. Gagné en communiqué qui sorti depuis hier, c'est le ministère de la communication qui mettait le lien pour annoncer officiellement l'État mandé tout le monde qui décide de bailler un support généralement quelconque à victimes, à l'État haïtien, à la population haïtienne suite à l'établissement de terre, là pour adresser directement à DPC qui c'est Direction Protection Civile. Communiqué ministère en communication a précisé. Tout le monde qui est institution humanitaire, qui veut aide alimentaire, aide sanitaire, quelque soit aide là, il faut que la DPC DPC pour qu'il soit capable d'avoir une autorisation pour intervenir sur le terrain. Dans le cas où tu n'es pas capable de gagner un monde qui ne respecte les dispositions, qui par exemple prend un convoi humanitaire à monter dans le département concerné, eh bien, la police a une instruction pour que yo fait intervention relativement à violation de disposition que le gouvernement prend pour que c'est le DPC qui d'abord délivre une autorisation à mon qui a intervenu, ensuite fait coordination aide humanitaire là qui est relative à sa passée. Ministère Kilti à communication en tête collée avec ministère intérieur collectivité territoriale recevoir lundi 8 octobre là divers responsables institutions qui impliquées dans affaires gestion risque et désastre dans cadre 58e conférence lundi la presse environ 300 blessés 15 monde mouri plus passé 40 bâtiments institutionnels subi dommage c'est bilan dégâts directeur protection civile la Jerry Chandler présenté dans cadre conférence spécial ça qui fait après tremblement de terre 6 octobre 2018 là. Toujours dans le micro Rachel Saint-Fort avec l'aurore dans Jean-Jacques. Au total malheureusement de 15 monde qui décédé. Donc 9 là-dedans dans ville Port-de-Paix, une dans ville Saint-Louis du Nord, 5 là-dedans dans Gromon dans Ouattibonite. Nous avons à peu près 300 personnes qui sont blessées, mais ça que dans 300 personnes, ça y a pratiquement tout déjà pris soin. Les sécurités plus graves, rapidement, le ministère de la Santé publique, la Croix-Rouge, en bas coordination de DPC, tu as temps justement intervenu pour faciliter et que vous menez à l'hôpital, pour faciliter le renforcement de l'hôpital et qui est dans le département concerné, et faciliter tout transfert de certains patients qui ont besoin de soins spécialisés dans l'autre hôpital. Hier, le président fait une visite dans le département nord-ouest et dans Ouattibonite, côté que l'a visité côté Pitouché. Et après ça, il a passé instruction, pendant qu'il était avec le Premier ministre, il a tout passé instruction par différentes instances concernées pour que nous soyons capables d'organiser nous, pour nous capables d'orchestrer les réponses. Donc, rapidement, et en termes d'activité qui directement qui menait, j'en ai dit à l'heure là, un paquet de bagailles qui était en branle pour que nous soyons capables d'avancer. Parce que et, vraiment, impact là, c'est des impacts qui direct et qui était quand même assez intense. Nous avons une évaluation côté que nous avons à peu près 40 bâtiments institutionnels qui atteignent. Okay? Nous avons 4 écoles nationales, particulièrement dans la ville Pilate, qui détruit. Donc tout ça, c'est des bagailles pour nous adresser rapidement en plus de populations qui retrouvent justement dans une situation qui est difficile. Le ministère de la Défense qui est déployé sous port de paix 2 unités et militaires avec les congénies et 2 contingents qui est déployé dans le département nord-ouest. Il y a un port de paix, l'autre là justement, et dans la zone Goumon, pour être capable de commencer à accompagner la population avec la protection civile et procéder à des opérations de nettoyage. Le public tout qui est intervenu justement, particulièrement dans la zone Goumon qui était très affectée, côté que il y a commencé le travail de déblayage et de nettoyage pour que justement nous rétablir la normalité dans la zone ça. Et j'aime des états à la ministère de la Santé publique avec appui la Croix-Rouge haïtienne et l'autre institution qui est impliquée dans le domaine de santé, organiser pour capable et
fourni un renforcement au niveau de l'hôpital, qui différents hôpitaux qui dans le département qui était atteint. Renforcement non seulement en termes de matériel, donc le côté sérum, le côté intrant, le côté matériel médical, mais renforcement tout dans le personnel. Donc nous avons des docteurs que nous déployons sous place pour aider le docteur qui l'a eu, continuer le travail et adresser la situation, ce qui fait que nous sommes capables de dire que nous pratiquement retournons presque à la normalité. Du point de vue et secteur éducation, ok, directeur départemental ministère éducation fait rapport yo, et là Kounyala a procédé à une relocalisation de certaines dans l'école qui subit dommage en façon pour que le plus vite que possible nous capable permettre Simonio retourner à l'école et recommencer continuer l'année scolaire qui débutait là. Toujours même dossier ça, directeur général ministère intérieur collectivité territoriale, Fednel Monchéri, invité population à respecter consigne sécurité, une façon pour protéger la vie. Ministre chargé des affaires citoyenneté et patriotisme, la Guy François Junior, encourager citoyens albaïsan pour moun nan grand noyo. Nous invitons à suivre. Pas entrer en dedans, maison qui est endommagée. Et tout le monde connaît que qui problème ça a représenté lorsque on réplique. Donc dans ce sens ça, nous demandons tout le monde, quel que soit à côté de lui, toute maison qui rend compte qui a un fissure, qui est endommagé, pour ne pas entrer en bagage ça. Deuxième élément d'information et de conseil, puis respecter toutes mesures de protection qui existent. Donc, et suivre information que protection civile, monde qui a une autorisation pour ça, qui a une autorité, qui a communiqué régulièrement information sur comportement pour gagner, qui disposition qui prend et qui évolution gagner dans l'événement. Et éviter information pas vérifiable pour que la situation n'est pas plus compliquée pour vous, parce que il a pris information de tous côtés et dans ce sens, ça nous dit que seule autorité qui vient pour informer, c'est protection civile et tout ça qui a passé, c'est pas l'État central qui a coordonné par comité qui a géré la situation ça et qui siégeait ou bien dans la caille résidence officielle pour le ministre et ici à la protection civile que Dr Chandler a dirigé. Dans ce sens, ça nous voyons information à tout le monde pour respecter les consignes et mesures de sécurité. Sensibilisation que nous avons fait au niveau de don de sang. Depuis hier, et nous avons rencontré avec la Croix-Rouge dans la direction de la protection civile là, et avec le ministère de la Santé, côté nous avons partagé, nous avons encouragé les citoyens à le faire don de sang parce que c'est un bail qui est vraiment important pour nous dans le Grand Nord et dans le département de Tibonite. Donc nous avons encouragé tout le monde à aller dans le local CNTS qui est le centre national de transfusion sanguine qui est dans le local Digicel, le premier étage. Donc, nous avons encouragé tout le monde à le faire dans le sang et nous-mêmes, nous avons travaillé avec protection civile dans le sens que et le cadre et GRD qui c'est gestion des risques et des désastres. Côté nous allons faire déplacement très bientôt dans le département pour nous parler avec les Mounio dans différents communes et surtout étudiants qui sont très traumatisés. Bureau Premier Dame République là mettait sous pied une cellule urgence pour assister et puis venir en aide à diverses familles qui frappaient dans le tremblement de terre ça dans le département d'Ouest et spécialement dans Port-de-Paix. Dans ce sens, divers kits hygiène et kits alimentaires déjà distribués par plusieurs victimes. Nous invitons aussi. Téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, une autre fois encore, nous saluons. Jean noté Zoulou déjà, nous sous place dans la ville Port-de-Paix pour nous faire vivre minute après minute, seconde après seconde, Jean situation a évolué après le tremblement de terre qui était passé, Jean tout connaît là, sous le pays d'Haïti, dans la nuit samedi 6 octobre passé. Eh bien, après toute disposition qui prend déjà, bureau Première Dame République là, prend disposition pour appuyer, pour continuer à accompagner. Dakadi, toutes les victimes dans la ville Port-de-Paix. Donc déjà, il y a une pile distribution qui est en fait. Il y a plusieurs centaines de kits qui sont déjà distribués. Alors, un des kits qui est là-dedans, serviettes, savon, draps avec de l'eau colorée. Et puis, il y a une initiative tout pour pouvoir manger avec de l'eau par divers personnes qui sont victimes par cette situation. Dans ce sens, nous invitons à tendre porte-parole la présidence, là, Tamara Oyon, qui a porté plus d'explications avec tous quelques bénéficiaires donc qui t'a exprimé contentement. Nous invitons à suivre. Immédiatement, nous apprenons que Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, touché par le tremblement de terre, le président de la République,
instruit tout organe de l'État pour être capable de porter réponse. Et en advance, il y a une équipe au niveau de bureau président qui débarque sur le terrain pour venir regarder comment on peut coordonner l'action sur le terrain. C'est ça qui explique la présence là depuis samedi soir. Donc, avec tout le monde, autorité locale, yo, nous présents pour nous capables de garder comment réponse. Yo. Et première dame, nan, qui a épaulé le président de la République, surtout dans la question de la santé, déjà mettait une structure qui prendre en charge tout, les gens qui victimes, les gens qui ont besoin de premiers soins, parce que l'hôpital immaculé, gens liés à l'effissuré, les antigens pas répondre avec structure d'urgence côté Mounio Satéoye. Donc, pour, première dame, sous leadership avec plusieurs autres institutions, mettez structure ça dans le local Jessimani. Et nous, encore une fois, première dame, nan, toujours dans le côté la potée épaule à président de la République, distribuer tous des kits d'hygiène apparents maladieux. Parce que ça crivait apparent maladieux, il y a besoin de couverture, il y a besoin de serviette et tout ça à joindre. Et côté Mkampé là, c'est encore des distributions, FAES pour le faire. Pour les gens qui sont victimes, ils ont assistance humanitaire, côté pour des kits d'hygiène, ils ont besoin de l'eau pour être capable de joindre un moyen pour être capable de répondre avec première réponse après essayer ça. Nous allons sur le terrain tout pour nous garder quantité de cailles qui subit dommage. Qui côté moun ka yo krasé, qui côté yo yé. Est-ce que moun sa yo pral besoin un abri temporaire? En attendant que gagne de l'autre disposition qui pral prendre au niveau l'état central là pour garder comment pral assister yo. Mais ça me veut toute population qui a gardé me la connaît. Président Jovenel Moïse li prend courage à deux mains. Et là jodi président Jovenel Moïse dit que nous paré pour nous faire face avec toute qualité catastrophe là, ça veut dire qui ça? Ça veut dire jodi au niveau de structure des TPTC yo, à travers délégation départementale yo, tout gain équipement en main yo pour capable commencer de blayer, ça arrive gros monde. Donc au monde jodi a cap passer sous gros monde, on regarder complexité écrasé a depuis 3h du matin. Non, dimanche, il commencer de blayer grâce avec matériel qui était sur route yo. Et c'est toujours même travail la cap fait. C'est vrai que connexion au département avec on l'autre demande en quantité de temps, 5 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, ça permet que ou poko ouais réponse aussi rapide. Mais réponse yo vini 2010 à 2018, façon que nous porter réponse yo et si ou mon a ba nous note, moi pense qu'il a ba nous plus note parce que je dis nous pas tant République Dominicaine vient aider nous déblayer, nous pas tant ONG vient tant nous déblayer, nous pas tant ONG vient ban nous assistance, c'est l'état central là qui prend charge. Depuis avant, depuis hier dimanche nous dans la rue, grand goût a bat nous soit fafa ou pas un goût de nan mais ou pas parer pour ça. Qu'on a regardé qui ça est gars ça fait pour nous, il vient porter manger bon nous, il porter soin aille pour nous. N'a souhaité bon Dieu pour nous Québec plus ferme dans la prière pour l'avancer pour plus devant. M'apprécier ça en pile. Et puis merci en pile. Nous apprécier parce que nous pas de rien plus que hypothèse nous devons accepter et nous devons recevoir à tout en patience nous. Depuis samedi soir nous pas dormi, c'est sous pied nous n'a fait toute nuit nous. C'est la journée et puis nous bon route n'a battre et puis tout nous pas gain dormi dans une la journée nous l'en. Dans l'idée pour renforcer et stricti qui déjà mettait en place dans la ville de Port-de-Paix, il y a une délégation au ministère de défense qui gagne la donne 20 soldats, un officier, 4 infirmiers, un médecin et 3 autres personnels sous place dans la ville de Port-de-Paix depuis dimanche 7 octobre. Objectif là, c'est pour continuer à porter assistance à la population dans le département nord-ouest. Selon ça, il y a un responsable qui fait qu'on est, il y a déjà fait évaluation dans 3 communes dans le département nord-ouest. Dans l'idée pour bien coordonner intervention yo sous terrain. L'autre dossier Port-de-Paix, c'est une commune qui plus touchée pendant passage tremblement de terre 6 octobre là. 9 monde t'a perdu la vie et puis plusieurs centaines d'autres blessés selon responsable protection civile. Nous invitons à suivre. 9 monde mouri, plus passé une centaine d'autres blessés, plusieurs dizaines cas écrasés avec diverses institutions c'est bien gros dommage parmi eux commissariat principal Port-de-Paix avec l'hôpital Immaculé Conception. C'est quelques parmi divers dégâts tremblement de terre fait dans la ville Port-de-Paix. D'après le coordonnateur technique protection civile là, José Riton, qui expliquait brigade protection civile n'a pas de printemps pour porter assistance à la population. Jusqu'à présent là, nous avons 9 morts. 9 morts, ça a gagné 8 Port-de-Paix, il y a une sur Saint-Louis du Nord. Pour blessés, nous avons enregistré environ 250 blessés, donc blessés sous Port-de-Paix, blessés sous Saint-Louis du Nord, blessés sous Bassin Bleu, c'est ensemble zone ça, nous avons enregistré blessés. Mais fond de que sous affaire caille tout, il y a plusieurs cailles qui tantôt qui détruit, mais il y a un pile dans eux, c'est endommagé, ils ont fissuré et on était en bonne situation, panique générale au sein de la population. Deux dans eux, c'est caille qui tombe sous eux. Après tout l'autre, c'est monde qui paniquait, qui était en l'air, qui a volé, par exemple, Saint-Louis du Nord, monsieur Kmourian, c'est en l'air lié, il suivait vivement et puis il a volé. C'était un fait noir, il tombe en côté, donc malheureusement,
et nous déplorer comme une victime. Et encore port de paix encore c'est il y a plusieurs cas où c'est monde qui a volé escalier, c'est monde qui a chuté sous mine, donc c'est ça la situation. Message là donc c'est dit moun yo pas paniquer parce que actuellement là il y a un réseau social qui a lagué message. Tantôt autant de prison port de paix écrasé prisonniers évacués, évadés, tantôt autant des l'hôpital la crasé, moi pense que ça cap diffusé sur les réseaux sociaux, c'est pour nous très 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 prudent avec eux, parce que pour jusqu'où nous là, nous pas rentrer dans le monde de Aïchef, ça qui passe pour tout le monde, pour dire qu'il a écrasé en pile, donc c'est pour nous rester, il n'y a pas paniqué. Remonter moral policier, yo. Assurer sécurité prisonnier, yo. C'est objectif visite responsable direction centrale police administrative, là, Calanri Boucher, dans le département nord-ouest. Là. Bon côté parle, directeur départemental nord-ouest, là, James Hiller, expliquer qu'il y a diverses mesures qui déjà prend pour continuer à assurer sécurité la vie avec bien population. Nous fait des expériences par rapport à 12 janvier 2010, côté que nous apprenons pile. Et ça fait que aujourd'hui, nous venons partager expérience nous et sur instruction directeur général, là, venons renforcer direction départementale nord-ouest et direction départementale de l'Artibonite parce que nous connaissons que ces deux départements qui plus touchés après ces islam, c'est l'Artibonite, particulièrement Gaumont et Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord. Tout. Donc nous venons, il y a un souci pour nous capables de remonter moral policier. Nous-mêmes comme policiers, il faut que nous gagnions un gros recul. Et même si il y a des gens qui sont traumatisés, nous-mêmes nous là pour aider la population. Il y a une tentative d'évasion. Mais professionnellement, les policiers de l'UDMO, aussi bien les policiers de la PENA et les policiers et administratifs, sont pris en disposition sans casse, sans blessés, sans mort. Nous sommes arrivés à faire près de 396 prisonniers retournés dans ces lieux. Donc, on est capable de remarquer que nous avons un pile dommage dans le niveau bâtiment, mais il faut me dire bien que je profite de l'occasion pour me féliciter les policiers mieux. Parce que, en dépit de tout, le fait que vous êtes sous choc, vous avez en pile situation, en pile pression sur vous pour vous occuper la rue, mais vous êtes arrivé quand même à continuer by service. Parce que vous regardez que dans le niveau garde à vue, nous avons pris en disposition tout, nous avons fait appel à la commissaire du gouvernement qui était voyé deux substituts pour t'attendre les gens qui étaient dans le garde à vue, parce que il y a des gens qui partent là vraiment pour des bagages qui étaient prêts en pile temps. Nous devons aller et moun sa ou nous te kembe yo nan antérieur ce que nous gagnons comme pour nous faire garde à vue. On a rappelé sous l'ordre président républicain Jovenel Moïse plusieurs entités dans l'état déjà mobilisées pour porter assistance by toutes victimes tremblement de terre qui passaient sous pays à 6 octobre passé. Responsable mission Nations Unies pour appuyer justice dans le pays d'Haïti, MINUSJUST, remet lundi 8 octobre là quelques matériels ak founiti by responsable tribunal première instance Port-au-Prince. Matériel sa yo doué aider améliorer fonctionnement tribunal là. Suivi au contre-rendu ak Stéphanie Charles et puis Robert Henri Chéri. Renforcer institution étatique yo, créer comité suivi chaîne pénale yo, c'est ensemble mezi mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti MINUSJUST prend pour renforcer capacité opérationnelle tribunal première instance Port-au-Prince dans distribution matériel bureau sa yo d'après représentant MINUSJUST là qui fait connait projet ça a pas couvrir Port-au-Prince seulement. C'est une occasion pour la MINUSJUST qui se situe tout à fait dans le cadre de son mandat qui est de renforcer les institutions de l'état de droit. Et au cœur de ces institutions de l'état de droit, nous avons les institutions judiciaires. Donc la remise de ce jour vise à renforcer véritablement la capacité opérationnelle du tribunal de Port-au-Prince. Droit un tribunal première instance Port-au-Prince-là, pas caché contentement pour remise matérielle sa yo, ça qui d'après lui-même, c'est un moyen pour aider la justice à aller plus vite dans le cadre de travail qu'il y a pour faire dans le tribunal-là. Lui promet, il y a bien utilisé yo. MINUSJUST te vin rendre compte que nous avons un ensemble de problèmes à faire face à eux même dans le tribunal là. Des fois qu'on a chaleur à tous nous, MINUSJUST a décidé pour refaire le système de climatisation pour le tribunal là. C'est quelques problèmes électriques qui gagnent, mais ils ont refait tout le système de climatisation. Nous profiter publiquement pour nous remercier MINUSJUST. Non, tout juge dans le tribunal là, non, tout commissaire, tout personnel de soutien. Il y a des classeurs métalliques, il y a des ordinateurs, il y a des imprimantes, il y a des registres, il y a des fauteuils. Ça veut dire toute salle d'audience. Il est équipé, ça veut dire pas de problème chaise, pas de problème bureau pour juge siéger, pour huissier, pour commissaire, toute composition régulière tribunal là.
Un projet qui élevé à environ 36 687 087 dollars américains, li rentré dans cadre GFOR cap fait pour améliorer fonctionnement tribunal première instance Port-au-Prince et puis lutter contre détention préventive prolongée dans le pays d'Haïti. L'autre dossier, direction départementale l'Ouest, police nationale, lancé lundi 8 octobre 2018 là, une formation qui a duré 3 jours sur comportement agent policier doit adopter dans qualité service à bail population. Formation ça a concerné 6 commissariats dans le département l'Ouest là. Commissaire principal Jean Ismagne Auguste à commissaire Tavine Pierre expliqué activité ça entré dans 4G4 autorité dans PNH là a fait pour porter amélioration dans fonctionnement institution. Un extrait dans le micro, c'est quoi pas qui avec Michel Joseph. Formation que direction départementale de l'Ouest a organisée à l'intention de 6 commissariats au niveau du département de l'Ouest, dont nous avons des policiers du commissariat de Port-au-Prince, du commissariat de Delma, Carrefour, Croix-de-Bouquet, Cité Soleil, et nous avons des policiers tout qui affecté au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Et faire un ensemble d'activités qui pour améliorer le fonctionnement et la police là, au niveau de commissariat que nous sommes cités là. Donc c'est une formation sur l'accueil qui a pour objectif améliorer l'attitude et le comportement policier en façon pour être capable de bien recevoir, n'est-ce pas, public là, et quel que soit citoyen qui vient solliciter un service en dedans commissariat. Nous avons parlé avec les collègues là, confrères yo, de nécessité qui vient pour accueil, dans la façon de recevoir le public là, capable de faire toute une différence pour l'image institution. Après un coup de pause, reste information, c'est pour tout de suite après. Dans le sport, basketteur haïtien Jeff Kobe, qui tape évolué depuis quelques temps dans le pays de l'Espagne, signé lundi a un contrat avec le club américain basketball, la New York Knicks. À l'étranger, sport distinction, 30 joueurs dans la liste pour choix Ballon d'Or 2018. Là, côté résultat final, là, à bail lundi 3 décembre 2018, cap vini là. Dans la page internationale, la Brett Kavanaugh prêté serment officiellement lundi 8 octobre 2018. Là, président Trump présenté excuse li dans nos nations américaines pour accusation agression sexuelle yopote contre lui. Betty pour plus de détails. I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear. I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear. Après plusieurs semaines de tension, le Sénat américain a confirmé Brett Kavanaugh comme juge de la Cour suprême États-Unis samedi 6 octobre passé. Brett Kavanaugh prêté serment officiellement lundi 8 octobre. La cérémonie s'est déroulée dans la Maison Blanche en présence du président américain Donald Trump qui a profité occasion pour le présenter excuse-lui by Brett Kavanaugh avec famille pour accusation abus sexuel de poté contre lui. Christine Blasey, c'est la première femme qui a accusé Brett Kavanaugh pour agression sexuelle. Depuis témoignage devant la commission judiciaire Sénat américain, la presse voit en pile menace. Nomination Brett Kavanaugh déclenche en série protestation dans plusieurs villes aux États-Unis. Samedi 6 octobre, là, plusieurs milliers de manifestants ont envahi marche la Cour suprême dans tout près Capitole là, dans Washington. Moment arrivé, amis téléspectateurs, pour nous recevoir prévisionniste, non, Wilner Polidor, pour toute nouvelle sous condition temps. Bonsoir, Wilner. Bonsoir tout le monde, merci parce que vous branchez télévision à l'Haïti dans le SAR pour prévision météorologique là. On a commencé à y sous Caraïbes centrales là. Nous gagnons onde tropicale qui a influencé les conditions météorologiques là sous région Caraïbes là, dont Haïti, trouvé sous façade pays d'Haïti. Et en altitude, nous gagnons un creux qui a porté humidité par un flux du sud-ouest. Et c'est pour ça, je dis encore, on a battu nous avec un temps qui est très humide et instable sous pays d'Haïti. Et en ce sens, majorité département a concerné par activité la pluie. Région sud là en après-midi, mais reste pays a en fin d'après-midi et en soirée. Tout département a concerné par activité la pluie, mais la pluie ça a en fin d'après-midi et en soirée. Il y a plus fort sous région nord pays d'Haïti. Cela veut dire que le nord-ouest, le nord, le nord-est, le centre et l'Artibonite a bien des averses modérées à forte sous zone ça pour aujourd'hui. Mais à partir de demain,
La pli sa yo a non seulement augmenté mais a pi fort et c'est pour ça secrétariat permanent cap Jeris avec Desas de concert avec direction protection civile et UHM mandé tout monde qui était dans zone sa on sortit là yo pour rete veatif par rapport avec activité la pli cap continuer tomber non seulement jeudi a et demain parce que soldat li saturé sous région nord pays d'Haïti vers le centre et l'Artibonite et aussi le sud, l'ouest, zone ça est susceptible pour gagner une inondation. C'est pour ça que nous avons été veatifs parce que non seulement le sol est en plein avec de l'eau, mais quelle que soit la quantité de la pluie qui tombe, ça arrive que nous gagnons une inondation. Sous zone ça, il faut être vigilant parce que inondation, avis inondation, toujours qu'il y ait sous département ça pour jeudi et demain. Pour capital là, avec la zone qui environne le nous avons capital aussi, malgré ce qu'elle a fait par le gel, maintenant les nuages pendant la journée et nuages ça a renforcé au cours de fin d'après-midi et en soirée pour activité la pluie non seulement et pendant l'après-midi en soirée ou au cours de nuit là même si c'est des averses faibles à modérer mais par rapport avec sol là qui est saturé avec un quartier sous capital là qui est capable d'inonder par rapport avec la pluie que nous prévoit jeudi à et dès demain la pluie ça va renforcer sous capital là avec zone qui environ le lendemain des mouillons précaution pas capon pas traverser rivière cap descendre sous aucun prétexte non seulement la zone qui est la capitale là mais aussi sous reste département parce que rivière capable en cru par rapport avec quand c'est la pluie que nous prévoit pour aujourd'hui nous gain température nous cap monter aujourd'hui jusqu'à 33 degrés Celsius sous capitale là puis va descendre c'est 23 degrés la mer ali agité à forte sous majorité des côtes nous yo et c'est pour ça demander capitaine yo prend précaution vers côte nord et côte sud pays d'Haïti même si golfe de la Gouna pas gain trop souci mais faut qu'il rete veatif parce que non seulement a bien la pluie a bien l'orage mais par rapport avec visibilité à cap réduit faut pêcheur ou pas rentrer trop fond dans la mer et pour page astronomique là sur la prochaine jeudi à 6h30 et là pas lever de matin à 6h42. Merci pour fidélité avec attention n'a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Et c'est là, amis téléspectateurs, journal la campé pour jeudi à nous te prendre pile plaisir pour informer vous. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.